Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et dans ce tutoriel, je vous propose de crocheter cette écharpe en effet granny. Donc c'est en fait des paquets de 3 brides. Et là, vous avez vu, on a créé un effet ajouré assez impressionnant. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment voilà, des trous importants dans cette écharpe. Donc c'est vraiment quelque chose de bien sympa pour l'été qui arrive, donc vraiment une écharpe légère, voilà, pour quand il fait, voilà. Pour la mi-saison, l'été. Donc voilà, je vais vous montrer donc comment la crocheter. Donc là j'ai utilisé aussi cette pelote avec un fil, voilà, différentes couleurs, et je vais vous montrer donc pas à pas comment crocheter cette écharpe. Donc pour crocheter cette écharpe, j'ai utilisé la pelote que vous voyez ici de Alison et Maë de chez Action. Riverton Yarn. Donc c'est vraiment, voilà, une pelote qui est faite en acrylique au polyester, donc 100 grammes, 200 mètres à peu près. Et puis c'est un effet dégradé, donc on a deux fils qui sont enroulés, un fil de couleur avec voilà, changement de couleur, et un fil blanc. Donc ça fait, voilà, ça fait un petit peu effet arc-en-ciel. Et donc voilà, les tons sont assez de fond de couleur assez froide, et c'est pour des tailles d'aiguilles crochet à 4,5. Donc là j'ai pris mon crochet à 6 mm et on va pouvoir commencer voilà notre point. Donc pour la base, je vais prendre, voilà, je vais prendre une base de 6 mailles. Donc on va commencer du coup avec 12 mailles en l'air. Voilà. Donc j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on est en 12 mailles. Voilà, et après on continue, donc 1, 2, 3, 4, on ajoute 5 mailles à tout ça. Donc 3 sont pour la hauteur d'une bride, et ensuite pour la base. Bon, là on y va, on fait un jeté, je pique dans la quatrième maille, je crochète une première bride, dans la maille suivante, une deuxième bride, on y est. Donc là en fait du coup ça nous fait un bloc de 3 brides. Donc on a les 3 mailles en l'air qui représentent une bride, plus 2 brides. Vous avez en fait, du coup, on a travaillé sur les 5 mailles en l'air qu'on a crochetées en plus. Ensuite, on va crocheter 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, nous voilà, on s'est de 3 mailles et on va crocheter maintenant 3 brides. Donc une, et donc une bride dans chacune des mailles, hein, donc une bride par maille, voilà ce que l'on va faire. Voilà, donc on a 3. Donc là on a commencé à travailler donc sur les 6 premières mailles. Et puis là on en a encore 6, donc on y va, 3 mailles en l'air, et sur les 3 dernières mailles, on va crocheter 3 brides. Voilà, donc on va vraiment travailler sur ces 3 dernières mailles, donc une bride par maille. Et voilà, donc après j'ai terminé donc enfin ce rang. Donc on va prendre un peu de fil et on va continuer donc au niveau du rang suivant. Et on va commencer avec 5 mailles en l'air à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne le travail. Donc en fait cette fois-ci, on a, voilà, 2 mailles en l'air et 3 pour la hauteur et 3 mailles pour la distance. Hein, voilà, le but c'est de donner un effet, voilà, donc travailler le premier trou. Et ensuite on va donc crocheter 3 brides au niveau des mailles en l'air. Ensuite donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on va crocheter 3 brides au niveau des mailles suivantes. 1, 2, 3 brides et ensuite 1, 2,
Et une prise. Donc là, j'ai les deux mailles en l'air et la bride. Voilà, en fait, c'est... voilà. La bride et les deux mailles en l'air, donc ça pourrait, voilà, on a en total, donc ça nous fait l'équivalent des 5 mailles, comme ce qu'on a fait au début. Donc là, on y va, 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail, et on y va, on va voilà, crocheter 1, 2 brides. Parce qu'on a les trois mailles en l'air qui comptent ici pour une bride. Ensuite, on y va, on continue avec trois mailles en l'air. Et on va ensuite crocheter trois brides au niveau des trois mailles en l'air suivantes. Donc en fait, le but, le principe, c'est de travailler sur comme ceci. Donc on travaille, on alterne à chaque fois les carrés, les paquets de 3 brides et les mailles en l'air. Voilà, donc là je travaille au niveau des 3 mailles en l'air ici, donc j'ai crocheté 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Oups, là je me suis un peu... Et voilà, donc à la fin du rang, on termine avec 3 brides. Et ensuite, on repart. Donc sur le même principe que le rang précédent, enfin le rang voilà, qu'on avait commencé ici. Donc on va travailler sur 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, on y va. Et ensuite, on va au niveau de la chaînette de mailles en l'air et on va y crocheter du coup 3 brides. Une, deux, trois. Deux mailles en l'air. Et on fait notre bride ici. Donc là, vous avez quelque chose de vraiment sympa déjà au niveau voilà, de l'effet avec les paquets de 3 brides. Donc cet effet damier un petit peu, hein, donc avec tout ça. Et puis je vais vous continuer et puis je vous montrerai un petit peu la petite mise à jour. Donc nous y voilà, vous avez vu, j'ai un petit peu progressé. On voit changement de couleur, on voit comment le point évolue. Donc vous pouvez voir ici, voilà, donc ça est orangé et violet. Donc vraiment sympa et vous avez vu vraiment très léger, hein, point vraiment à jourer. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Ma vidéo, si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut !